Le premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est mort mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer, a annoncé le président de la République Alassane Ouattara dans un communiqué. Le premier ministre, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France par avion spécial pour raisons de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier. Lundi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi, a été nommé par décret Premier ministre par intérim pour le suppléer. Tene Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du président Alassane Ouattara, a quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim. Ahmed Bakayoko avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Apprécié dans tous les camps d'un pays marqué par de fortes tensions politiques, il était perçu comme un possible successeur de Ouattara et ses opposants ont tenu à saluer sa mémoire